nous accueillir aujourd'hui et de nous remercier d'être venus dans le plus bel hôtel de ville du monde avec le soleil. Chers amis, vous savez, c'est un grand honneur pour nous dans le cadre de notre 40e anniversaire de remettre ce costume. Et comme je n'ai jamais cessé de le répéter, nous avons énormément de points communs avec la ville de Bruxelles. Non pas que la première lettre de notre cité respective commence par un B, mais notre village fut pendant très longtemps appelé le Petit Bruxelles. Tout simplement parce qu'un illustre personnage, il y a quelques centaines d'années, était revenu visiter le village et en son honneur, les habitants avaient décoré les rues et lui, en arrivant, il s'était écrié « Mais c'est vraiment le Petit Bruxelles ». Donc depuis, Bleuin a eu ce surnom, oserais-je dire, de Petit Bruxelles. Si vous voulez insulter les moines, demandez-leur, c'est Saint-Antoine de Padoue. Mais non, c'est Saint-Antoine au cochon. Pourquoi? Parce que dans notre beau village de Bleuin, eh bien, Saint-Antoine au cochon était invoqué pour la protection du bétail. Et c'est pour ça que nos moines ici portent la bure des moines, que nous avons un cochon et que nous sommes venus même avec une marionnette qui a été fabriquée vraiment dans la tradition des marionnettes liégeoises. Voilà. En tout cas, un grand merci de nous accueillir. Croyez bien que dans notre année du 40e anniversaire, ce moment-ci restera un très grand moment. Merci. Il a déjà presque tout dit, donc je n'ai pas grand chose à ajouter. Simplement pour continuer dans notre lancée, comme d'habitude, c'est le moment, c'est l'instant de remettre le costume. Ce magnifique costume de notre confrérie, qui sera en main sûre, puisque je veux le transmettre immédiatement au président de l'Ordre des Amis de American Peace. Un grand merci. Merci beaucoup. Et voilà. Pour la petite histoire, attention, c'est fait, c'est le 934e costume pour notre équipe, à vous tabler. Comme à chaque nouveau costume, je vais une fois en vitesse, voir et prendre la température de notre ketchup. Parce que comme tout bambin, il est toujours inquiet. Et bien, la première question qu'il me pose directement, « Hey, paye !» C'est moi ça. J'ai des « Oui, ketchup !» Qu'est-ce qu'il y a ?« Oui, il dit, Saint-Antoine, mais lequel ?» C'est dit le bon. Comment il dit le bon? C'est quoi ça le bon? Celui avec les oiseaux? Non, non, c'est dans le cochon que tout est bon. Ah oui, oui, donc on va manger du cochon. Je dis ça, je n'ai pas dit. Je dis ça, c'est toi qui l'as fait. Oui, et ce costume, encore une fois, avec une cape, je vais encore une fois souffrir la douleur ici, quand il commence à faire chaud. Tu ne t'en fais pas aujourd'hui, il va pleuvoir. Ah, tu sais ça déjà, je dis, c'est dans les prévisions que je donc ne t'en fais pas. Oui, il dit, je serai là pour vous aider et pour faire une éclaircie au moment voulu. Je dis, j'espère bien, et tu fais ça tellement bien tout le temps. Je dis, on compte sur toi. Oui, il dit, oui, ça va. Et je dois faire mon miracle aussi. Ah oui. Oui, bien sûr, ça c'est comme toujours. Hein. Ça, c'est primordial. J'ai changé ton eau en bière. Ah, oui, d'accord. Tu vas encore longtemps me questionner? Je dis parce que tantôt tu oublies de pisser. Voilà un diplôme à mettre en bonne place
dans votre local. On n'y manquera pas. Merci voilà. Beaucoup. Si. Vous Nous sommes heureux de faire de Manneken Pis un membre d'honneur de notre comté. Bravo. Bravo. Ce grand moment de la journée, quand même. Le bain est sauvé, le bain est ouvert. De Belgique, qui est revêtu du costume de votre confrérie, et vous allez voir, à ce moment-là, le soleil va
confrérie Saint-Antoine du Cochon de Bleuin, près de Hanu, rassemble depuis des années des passionnés de leur village et de son histoire. La confrérie a pour but de replacer sur un premier plan le culte d'Antoine le Grand, saint protecteur des pourceaux et autres animaux domestiques, ainsi que les traditions folkloriques et gastronomiques qui l'entourent, un folklore qu'il n'hésite pas à faire connaître au-delà de nos contrées. C'est une confrérie donc qui a vu le jour en 1975. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est précisément dans le cadre des activités du 40e anniversaire de la confrérie. Et nous avons créé cette confrérie en même temps que la République libre de Bleuin pour justement rendre une identité au village et recréer des liens qui se détricotaient un petit peu et aussi pour profiter de tout cela pour refaire l'histoire du village. Refaire l'histoire du village et bien sûr la présenter aux habitants. À l'occasion de ses 40 ans, la confrérie s'est rendue à Bruxelles afin de remettre le costume de moine à Manneken Pis. Une réception a eu lieu à l'hôtel de ville de Bruxelles. La bure des moines a été offerte à la ville avant d'être remise à l'ordre de Manneken Pis. Du côté de l'ordre de Manneken Pis, on n'hésite pas à rappeler les liens d'amitié avec notre chantier. Chantier est venu ici. Ah oui, c'est des grands amis. En plus, n'oubliez pas qu'on a Toon, marionnette Toon. Alors là, c'est le grand amour entre Bruxelles et Liège, bien sûr. C'est en procession et en fanfare que chacun s'est rendu auprès de la statue du petit Manneke. Après les chants traditionnels des deux régions, le petit bonhomme a tout simplement réalisé un miracle en urinant de la bière. On imagine que son nouveau costume lui a fait plaisir. J'espère en tout cas, j'espère. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que dans une ville comme Bruxelles, exposer un moine qui fait pipi devant tout le monde, je crois que ça peut être parfois un peu gênant pour certains. À noter que ce 14 août, et pour ne pas faire de jaloux, Tchantché recevra aussi son costume de moine.